Et salut à toutes et à tous, c'est Saku. On se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va tester, enfin on va découvrir plutôt Lego DC Super Vilain, hein, parce qu'on va pas prendre l'accent anglais, on dira Super Vilain parce qu'on est bien français. C'est un jeu Lego donc qui m'a été envoyé par l'éditeur, donc je m'attendais pas à le recevoir, je vous avoue. Et c'est pas le jeu Lego que je comptais faire de base, mais je me suis dit, puisqu'ils vont nous l'envoyer, on va vous le faire découvrir. Moi, le jeu Lego que j'attendais depuis un moment, il doit être là, voilà. C'est Harry Potter Collection qui sort le 31 octobre. Ça sert à rien que vous me l'envoyez, les gars. Celui-là, je l'ai déjà, je l'ai déjà précommandé. Mais, écoutez, ça vaut le coup de découvrir. Je pense pas qu'on fera de stream ou autre dessus. On va faire une découverte. Et puis après, je vous ferai un test une fois que j'ai terminé le jeu. On va vraiment lancer le jeu. Pas pour la première fois. J'ai déjà lancé le jeu pour voir si tout tournait bien. Ça va bien. Je n'ai pas lancé l'aventure du tout. Je suis juste allé dans les menus. Et donc, on va voir ce que ça donne. Allez, petit écran. Un peu. En profiter pour faire le setup, hein. Hop, voilà, je suis bien mieux comme ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors, vous le savez, j'aime beaucoup les jeux Lego. J'ai beaucoup aimé Lego City sur Wii U, que j'ai fait à 100%. J'ai beaucoup aimé Lego Marvel sur PS4, que j'ai fait à 100%. Et j'ai refait Lego City récemment sur Switch, parce que je suis un bon pigeon, les gars. J'aime beaucoup l'univers et l'humour, surtout, des jeux Lego. Et j'ai vraiment hâte d'avoir Lego Harry Potter parce que celui-là c'est vraiment des jeux que j'adore couplé à un univers que j'adore et celui-là par contre je pense qu'on fera plusieurs vidéos voire quelques streams si on a le temps parce que après il y aura Pokémon etc mais on verra si on a le temps de se faire quelques streams dessus. Je pense que la découverte de Lego Harry Potter ce sera en stream en tout cas, contrairement à cet univers d'ailleurs que je ne connais pas beaucoup au final d'ici comme Marvel tout ça je ne connais pas énormément, c'est pas quelque chose qui m'a tant intéressé que ça. Mais, écoutez, on est parti. Alors, recherche de sauvegarde. Tu n'as pas trouvé grand-chose. Hop. Ok, j'étais en train d'écouter un truc au niveau du son. Ça va. On va aller tout de suite sur une nouvelle partie. Alors, vilain novice, vous débutez dans les jeux Lego. Plus simple. Non, c'est déjà assez simple les jeux Lego. On va aller en mettre. Emplacement 1. L'auto-sauvegarde est... Ok, c'est ce qu'on veut. Répondez, commissaire Gordon. On nous signale un cambriolage chez Wentec. On rapporte des rires et un gaz vert. Ça me fait penser à quelqu'un. Je suis déjà en route pour l'île de Stryker avec notre suspect spécial. Appelez l'inspecteur Bullock, il s'occupera du cambriolage. À vos ordres, chef. À vous, Métropolis. Oh, il fait toujours beau à Métropolis. Franchement, il n'y a vraiment pas de justice. Mais cette ville a aussi son lot de problèmes. Oh. Commissaire Gordon? Officier, j'avais rendez-vous. Est-ce que tout est prêt? Ouais, pardon. Affirmatif. Merci, officier. Bon appétit. À votre service. Un beignet. C'est stupide, les jeux Lego. C'est un humour totalement stupide. Et j'aime beaucoup ça. Normalement, le département ne fait pas appel à des énergumènes tels que vous, disons. Mais vous êtes le seul expert que l'on connaisse en la matière. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Ah! On va se créer un personnage. Et j'ai pas l'habitude de ça dans les jeux Lego. Personnage aléatoire, customisé. On va se faire vite fait un petit personnage. Ok, apparence, capacité, information, aléatoire, arme, apparence. Ok, on a pas mal de trucs à faire en plus. Ok. Ok. Wow, il y a tellement de trucs à faire. Il y a tellement de trucs. Alors, il y a beaucoup trop de trucs. Hein. On va aller faire un personnage aléatoire. On peut le faire plusieurs fois, je suppose. Pas parfait, merci l'aléatoire. Merci beaucoup. Hop, continuez l'histoire. On va l'appeler Saku. Hein. C'est un nom assez original, je vous l'avoue. Hop. Il est parfait, mon personnage. Continue l'histoire. Oui. Ouf, oh, oh, oh.
c'est bien un jeu Lego. Il y en a du personnage. Allez, sauvegarde. Le suspect a été appréhendé lors du cambriolage dans la boue. Ce laboratoire appartient à l'un de vos anciens collègues, Monsieur Luthor, le professeur Ivo. Le professeur Ivo ? Je ne vois toujours pas en quoi ce cambriolage me concerne. Notre sacré Walex. Et vous collaboriez sur le projet Amazo. L'androïde capable de s'approprier tous les pouvoirs des super-héros. Si notre suspect est doté des mêmes capacités, il pourrait bien devenir une terrible menace. Si vous coopérez et que vous nous dites si le risque est réel, nous pourrions envisager de réduire votre peine de 10 ou 15 ans. Très bien. Voyez-vous, je n'ai que faire des super losers qui sèment la pagaille dans le monde. Où est-ce que tu as acheté ce costume ? Il n'est pas très loquace. Commissaire, quelqu'un m'a volé mes beignets, mon uniforme et... Tiens, les voilà ! Quoi ? Oh, beignets ! Bonjour, merci. J'ai bien failli attendre. Fichons le camp d'ici. Oh, c'est le moment de s'éclipser. Suis-nous, le nouveau. Tu es avec Lex Luthor à présent, le plus grand criminel qui soit. Vous êtes sûr de votre coup? Dans le pire des cas, le nouveau fera une excellente diversion. Je vais divertir personne, moi, tu m'as vu? Ok, on est bien dans l'univers Lego. Hein. Par ici, très cher. Nous serons bientôt sortis de ce triste. Ok, on peut jouer à deux apparemment. Voilà, ça tire partout, on est parfait. Il suffit de trouver un moyen. On récupère des petites pièces comme d'habitude. C'est la même mécanique que dans tous les jeux Lego, au final. Hop. Tiens, casse ta gueule, toi. Hein. Ça, on peut pas le détruire. Si, on peut. On peut le reconstruire, peut-être. Tac, voilà. C'est vraiment les mécaniques habituelles des jeux Lego. Hein. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Appuyez sur A. Ah, toujours plus de monde. Je crois qu'on a de la compagnie. Je déteste qu'on m'interrompe. Rappelons-leur à qui ils ont affaire. Ok, oh, direct. Direct dans le vif du sujet. Hein. Mm-hmm. La gueule, vous déjà? Oh! Oh, terrible! Oh, terrible! Terrible! Et on a de la vie, je me souviens pas que dans les jeux Lego que j'ai fait, on avait de la vie. Why not, hein? Tirer dessus, je suppose, non. On va casser un peu ça. Par contre, ça me le fait à chaque fois. Une petite cinématique. Ah, je peux prendre Lex aussi. Génial. Oh, ça c'est cool, le système de changement de personnage comme ça. C'est vraiment sympa. Ça ne devrait poser aucune difficulté. Ça aurait été bien du coup d'y jouer en multijoueur. Bien sûr que je
sans remuer le couteau dans la plaie. Des jeux online. Ça aurait été cool. J'aurais bien aimé, franchement. Là, pour le coup, le faire en stream, bah ça aurait été assez cool. Alors Lex, il plaisante zéro, quoi. Lex, il est pas là pour rigoler. Il veut pas construire ? Il veut pas construire ici ? Ça m'étonnerait beaucoup. Pas encore, peut-être. Peut-être pas encore. Peut-être ici. Ah, je vais pouvoir sauter là-dessus, je suppose. Parfait. Ça, c'est le truc qu'ils ont protégé. On va tous venir, hein, les gars. Ah d'accord, c'est un système d'aide en fait. Ok, on comprend mieux. On comprend bien mieux. On n'a pas vu encore ce qui se passait là-bas. Salut. Toc, ça n'a pas ouvert. Non, dommage. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est en or. Revenez ici en Angélie pour déverrouiller les bonus dissimulés. D'accord, ok. Donc j'espère qu'il y a un monde ouvert aussi dans ce jeu. Parce que j'ai beaucoup aimé dans les deux jeux Lego que j'ai fait, bah, les mondes ouverts. Et j'espère clairement qu'on est face à un monde ouvert. Voilà, je suis en train de faire n'importe quoi en parlant. Je trouve également que ça lag beaucoup moins que Lego City. Et ça, c'est un très très bon point, parce que Lego City sur Switch, oh, qu'est-ce que ça laguait. Qu'est-ce que ça laguait, c'était pas beau. Oh, vous êtes en bas, vous. Là, je vois pas où aller. Je vois pas du tout où aller. Pour moi, ça devrait être par ici. Hein. J'appuie sur A. Hein. J'appuie sur A. J'appuie sur A. Qu'est-ce qu'il me dit dans l'indice? Détruire une fusée. Avec l'exuteur. Ah, d'accord, c'est pas du tout une fusée qui nous détruit. Ok, nice. Donc eux, quand un truc est ouvert, ils te laissent quand même des lasers. Hein. Ils te laissent quand même des petits lasers qui te font mal. Ils te détruisent en plus, oui. Avec plaisir. Ah, nice. Oh, salut les gars. Je vais régler ça en un rien. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Appuyer là-dessus. Le casser.
J'arrive pas à casser la caisse. J'ai peut-être pas besoin en fait de la casser. Il va y avoir un truc ici qu'il faut faire. Non. Genre y'a rien ici. Allez salut. Je voulais juste rester sur place. Appuyer sur un bruit crapin, ok. Je voulais voir ce que ça faisait. Désolé. Ok, spam de A, spam de A, spam de A, spam de A, spam de A. Hop là, cadeau. Ah pardon, je t'ai découpé les jambes. Excuse-moi, ça arrive. Hein. Prendre mon personnage quand même hein, parce que on l'a créé. Ah, on l'a créé. Vous avez compris hein. Grundy revient. Mais là on sourdine, Grundy. Tu fais un boucan à réveiller les morts. Ah oui, ok, on change de perso. Content de vous compter parmi nous, Cheetah. Grundy. J'espère que t'as un plan solide pour nous faire sortir d'ici, Luthor. C'est qui ça? Je crois que là, on peut tout péter. Excusez-moi, mais est-ce qu'on ne ferait pas mieux de filer? C'est peut-être des personnages que vous connaissez, ces deux-là. Moi, bah, vu que je connais pas trop l'univers, c'est pas des gens que je connais. Il me faut le gros. Hop là, parfait. Ouvrir la porte, non. Cette façon de se déplacer est fantastique, je tiens à le dire. Hop, je vais pas ouvrir la porte. Voilà. Pourquoi se casser la tête à ouvrir une porte, on peut la démolir? Un peu tout, comme ça on récolte tout ce qu'il faut. Toi tu dors. Super. Hop. Quand les trucs arrivent ici. Tout se passe bien pour le moment, hein. Oui, ok. Ah oui, mais je peux pas l'éclairer à l'infini du coup. Ah si, je peux toujours faire ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je suis en train de construire, les gars? Ah bon, on va les rejoindre. J'ai loupé tous les trucs. Pas très grave. Y. Voilà. Ok, il doit y en avoir un ici. On devrait être bon. Ah, tout est toujours bien lié dans les jeux Lego, ça y a pas à dire. Tout est toujours sous contrôle, hein. Allez, on passe.
marché. Allons-y. Est-ce qu'on s'enfonce dans la prison? Je croyais que l'idée de l'évasion, c'était d'en sortir. Ouais, même Grunty, c'est ça. Patience, vous comprendrez bientôt. Où est-ce qu'on va? Je pense qu'on va faire la première mission, les gars, et puis je vais quand même regarder après si on n'a pas un petit monde ouvert, et puis on s'arrêtera là. Mais je vais aller au bout de cette mission quand même. C'est toujours prenant, les jeux Lego. J'ai tellement hâte de faire la version Harry Potter, vous pouvez pas savoir à quel point. L'ami de Grunty fait quoi? Les éclairs, le nouveau les a absorbés. Acquisition de super pouvoirs, comme le projet Amazon pour l'instant. Voyons si l'on peut faire bon usage de ces nouvelles capacités. Nouvelle capacité. Maintenir. Ok. Customiser la capacité. Plutôt customiser. Oh là, on va laisser celui de base pour l'instant. Je regarderai ça après parce que sinon, hein, on n'est pas couché. Mais cool! Nouvelle capacité, rayon de chaleur. Ok. Encore la sécurité? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, Luthor? J'aime pas agir sans savoir comme ça. Arrête de te plaindre, Cheetah. Tu verras quand ce sera ouvert. Hop. Au plaisir. Et hop. Allez, salut. Bon, eux, ils vont me saouler, hein. Comment est-ce qu'on pourrait ouvrir? Maintenir. À peu près, peut-être. Ah, mais... Eh hey. Je dirais que c'est là-dessus qu'il faut le faire. Mais pas du tout. Allez. Voilà. Un gros GG. Tu veux te battre? Ah mais personne, ok. Excuse-moi mon ami. Je voulais pas te taper. Hein. Je suis un méchant, hein. Vous êtes en train de vous battre les gars? Vous avez besoin de moi apparemment. Ok, Donkey Kong. C'est tout ça pour s'échapper de prison. C'est vrai que passer par la porte, c'est... Ouais, non. Non. Nous, on fait les choses en grand. Prison Break, ça, ils l'ont pas fait. Hein. Ça, je l'ai pas vu dans Prison Break. Oh, je m'en vais. En fait, j'ai peut-être une bêtise, il y avait peut-être une barre de vie hein, dans les anciens jeux Lego. Parce que maintenant que je vois ça, ça me dit quelque chose. Il y a forcément un monde ouvert là, quand il me parle de jeux libres et tout. Forcément. Ah! Ah! On en est là. Ça devrait pas être trop compliqué. On espère. Voilà.
Salut. Et la deuxième. Sympa les petites énigmes, j'aime beaucoup. Et le jeu, autant sur la première cinématique, j'étais pas emballé. Mais là, je le trouve plutôt joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça tourne bien, franchement. Plus un geste, Luthor. Ah, Superman. Tu n'as pas des chances. Clark Kent. Pardon, spoiler. Pardon. Superman. Et toi, t'as pas de la vaisselle à faire dans les cuisines de Stryker, tête d'œuf? Je coupe les légumes maintenant. Félicitations. Allez, retourne dans ta cellule. Non, pas cette fois, Superman. Je crois que tu connais déjà. Mécalo. Oh, il est trop instable pour sortir de sa cellule. Instable pour toi, peut-être. Son cœur de kryptonite ne me gêne pas le moins du monde. Liberté. Allez, quittons ce rocher. Mm-hmm. Non, tu n'iras nulle part. Ah non, et qui va m'arrêter, toi? Non, mais nous, oui. Oh, hein? Ouya! Pas si vite, les vilains. Tut tut, le verre, c'est moi. Où est Batman? Il a dit qu'il avait un truc urgent à faire. Ici Harley Quinn, je suis en direct live d'un nouveau forfait d'anthologie. Et voici notre vedette du jour, Monsieur J. Ah, mais où il est? On vient tout juste de voler des trucs tip. En provenance directe de Wentake, Monsieur J et moi, on vole pas n'importe qui. On vole seulement aux losers qui sont trop honnêtes pour voler les autres. Non, 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 il n'est pas là. Je ne le vois pas. Allez, Poussin, dis juste un petit mot rigolo à nos spectateurs. Oh, pas maintenant, Choupette. Je suis occupé. Tiens, prends ça. Oh, c'est joli, ce machin. Tu es coincé, Joker. Poussin, et si on sautait dans l'hélico? Relax, il n'arrivera jamais à nous toucher de tout là. Joli coup de filet, pas mal. Bah bravo. C'est sympa un jeu où on joue les méchants et où ça se passe bien pour les méchants. Ouais, ça change. Oh, monsieur J, le Jokercopter est beaucoup trop haut. Ah, prends le Joker, mais c'est terrible. Élémentaire, ma chère Harley. J'adore le Joker comme ennemi. On baisse la tête. On grimpe là-haut en faisant profil bas. Donc, en fait, il faut qu'on trouve une sorte d'escalier, c'est ça? Oui. Compris. Ah, on accumule l'argent quand même, hein. Pardon, ça me fait plaisir de te taper, hein. Allez. Pardon, c'est un plaisir, pardon. Ok, j'ai pas tout compris. Quoi? Quoi? Pardon. Ok, c'était un arrière d'être un explosif. Ah oui? Bon, qu'est-ce que je dois faire du coup? Qu'est-ce que je dois faire? Faut faire appuyer sur A.
n'arrive pas à comprendre ce qu'il faut faire. Je, aide-moi. Comment on fait déjà pour obtenir une aide? Vraiment, je dois te donner un ordre, si je comprends bien. Ah! Bon, je n'arrive pas à comprendre. Alors là. Peut-être qu'il faut que je l'amène là-bas. Mais il veut pas. Pour moi, je dois l'amener là-bas, mais... Mais... Je comprends pas. Alors là... Là, je comprends vraiment pas. Enfin, il faut l'amener ici, on est d'accord. Où est passé l'aide? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas ce que je voulais faire, mais... Mais voilà. Mon bouton d'aide a disparu. Ils peuvent ordonner aux sbires de faire tout ce qu'ils veulent, appuyer sur A pour les recruter. Mais... Ça ne fait absolument pas ce que je veux. Là, pour le coup, le jeu m'a perdu. C'est tout ce qu'il fallait faire, ok. Ah punaise, complexe. Hein. Complexe, complexe. J'en ai 2 sur 4. Ah mais il y en a ici aussi, oh là là. Oh là là. C'est bon, j'ai les 4. Est compliqué pour pas grand chose, hein. Attendez, je ne peux pas utiliser... Bah évidemment. Quelle mauvaise blague. Ah ah ah, ça casse, ça casse, ça casse, monsieur l'agent. Ok. Appuyez sur un. Allez, allez, tirez, 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 monsieur, tirez, monsieur. Appuyez sur un. C'est tout. J'ai fait ça pour ça.
Il y a la police qui arrive et tout. Heureusement qu'ils sont patients, hein. Viens avec moi. Allez les gars, on donne tout. Incroyable attaque. C'est la meilleure attaque du monde. Allez, construis mon ami. Ok, bah je pense que là, c'est l'heure, hein. Enfin, tous les personnages ont vraiment une identité. Et si vous laissiez un peu d'intimité à un gentil petit couple de clowns. Toc. Faudrait pouvoir aller là-haut. Peut-être avec Joker, hein. Non, pas encore. Ah, il a une brique rouge, lui. Ah, il va falloir que je revienne en jeu libre. Dommage. Ok. Non, toujours pas. Tu m'as pas encore bloqué le jeu. Qu'est-ce que c'est que ça? Un spécial. Ah, c'est bon. Allez, avance mon ami. Il y a du monde qui arrive. De tuer lui aussi. J'ai plus beaucoup de vie. Véritable vilain. Ah, c'est bon. On a le bonus de la mission. Je pense que c'est le plus de pièces. Ah, un certain nombre de pièces à avoir. C'est vrai qu'on en a récolté vraiment beaucoup. 203 000 pièces, ça me paraît beaucoup. Toujours pas rejoindre. Non, c'est ici. Ah.
Tuk. Il n'y a plus rien à faire ici, je suppose. Ici, il y a quelque chose à faire. Peut-être pas. Ah, il y a l'hélicoptère ici. Que faire? Que faut-il faire? Dis-moi tout. D'accord, ok, j'ai compris. Ici du coup. Voilà. Accroche-toi, allez, on y va. Pas trop tôt. Cet endroit commence vraiment à devenir fou. Qu'est-ce que je suis en train de construire là? Putain. C'est vrai que c'est beaucoup mieux de s'évader comme ça pour le coup. Pour le coup, nous, on n'était pas en prison. Ne bougez plus d'un poil, vil vilain, vraiment virulent. Hein? Qui, toi? Je suis Ultraman, et voici mes amis, le syndicat des justiciers. Owlman, Superwoman, Grid, Johnny Quick, Power Ring, et le roi des mers. Ces types me rappellent vaguement quelque chose. Nous sommes à votre service. C'est stupide. C'est totalement stupide. Niveau terminé. Ok, je livre déverrouillé. On a récolté beaucoup. Ça, zéro, parfait. La brique rouge, on l'a vu, mais on l'a pas eu. Ok, on a quand même deux briques en or sur le niveau. Ça, c'est les personnages qu'on a débloqués, je suppose. Ah, il y en a un paquet. On va passer. Continuez l'histoire. En fait, nous venons de... Abréger un peu. Le Joker est en train de filer. Une menace redoutable venue de notre monde pèse sur toute votre planète. Quelle menace? Nous. Bien joué, les gars. Ah, je suis sûr que ça va être un petit monde ouvert. Je le sens. Non, d'un petit nougat. Vous allez jamais me croire. Hé, hey, attendez-moi. Monsieur J. Ah, oh, purée. Oh. Peuple de Terre 1, nous sommes le syndicat des justiciers. Nous venons d'une version parallèle de votre monde, appelée Terre 3. On est super forts, et à votre service. La Ligue des Justiciers a dû partir en mission au fin fond de l'espace. Elle nous a demandé de vous protéger pendant son absence. Quoi? C'est pas ça du tout! Assez de télé pour aujourd'hui, Harley. Tu vas finir par t'abîmer les yeux. Mais Monsieur J, j'ai vu ce nouveau cirque des justiciers faire disparaître l'enfant.
mon téléphone, je te le prouverai. Chut, chut, chut. Je n'ai toujours pas remis la main sur mon super jouet. Tu te joins à nous, Lex? Plutôt porter une perruque. De plus, j'ai des petites choses à régler à Métropolis. Oh, et merci pour l'hélico, Joker. Pourquoi je laisse toujours les clés sur le contact? Waouh, un nouveau camion de Joker, ce serait génial pour nos tournées. Mais comment construire un truc comme ça ici? Non, parle. Laisse parler ta créativité. Il y a plein de bricoles qui traînent ici et qui peuvent nous servir. Ah, on n'est pas encore dans une partie monde ouvert là. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter ici pour la découverte. Moi, je vais continuer le jeu de mon côté. Et puis, je vous dis, bah, dans le test, du coup, ce qu'il en est, s'il vaut le coup, et s'il y a un monde ouvert, etc. Ou alors, vous cherchez sur Internet, hein, comme tout le monde. Moi, c'est ce que j'ai pas fait. Mais écoutez, j'avais envie de découvrir, et je vais découvrir petit à petit. Bref, et bah, n'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire. Bah, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.